Bonjour. Vous vous demandez pourquoi n'a-t-on pas la preuve de l'existence matérielle d'OVNI ou d'extraterrestres, mais tout cela est parfaitement normal. Comment des êtres dotés d'une intelligence incommensurable pourraient nous laisser une preuve de leur passage sur Terre? Nous avons par contre des erreurs faites par ces êtres venus d'un autre monde, car l'univers, lui, il est au-delà de toutes les technologies qui soient, qu'elles soient terriennes ou autres extraterrestres. Donc, il peut arriver parfois que ces êtres venus d'un autre monde laissent une trace sans faire exprès dans notre monde, un vaisseau en panne ou une apparition furtive. Et depuis l'arrivée de la caméra, la vidéo par les êtres humains, certains arrivent à capturer des phénomènes étranges. Dans cette vidéo, vous allez voir quelques captures assez étonnantes d'engins ou de sphères ou de vaisseaux traversant le ciel. Et vous pourrez voir ainsi que peut-être des ovnis existent. Nous n'avons pas la preuve formelle que les ovnis existent, mais par contre, nous n'avons pas la preuve formelle que les ovnis, les êtres venus d'un autre monde, n'existent pas. Cette vidéo a été filmée par un vidéaste amateur à environ 10 km du lieu de la démonstration lors de la fête du Bourget du 24 juin 2023 vers 15h. Son but était de filmer les avions de chasse pour les démonstrations et ensuite faire un montage pour la mettre sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant son montage et en passant quelques scènes au ralenti, il aperçoit à côté de l'avion de chasse, en dessous le nuage, une sphère avec une lumière incandescente et une ombre noire autour. Cette vidéo a fait l'objet d'ailleurs d'une déclaration au GEPAN et au MUFON, des organismes chargés d'étudier des phénomènes OVNI. Soyez attentifs à la vidéo car elle est très courte et très furtive. Elle est passée au ralenti avec des zooms et plusieurs filtres. This is the Montana film, projected exactly as it was photographed. The objects are moving against a 25 to 28 mile an hour wind. This is the film in double frame or slow motion.
a slight bounce in the movement of the objects as well as the tower is perceptible. This is due to the handheld camera. The film, analyzed frame by frame, shows the movement of the objects to be horizontal and steady. Hey, I think, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is our LNS, dude. Well, if there's like look at that thing. It's rotating.